Cette semaine, notre pilote travaille le 360 avec sa sortie en chandelle et son contrôle d'abatté. La rotation est très engagée, 80 degrés environ. Le pilote provoque sa sortie. On le voit ici contrée main gauche pour provoquer son redressement. Le contré efficace. La voile ressort très rapidement. En un quart de tour, nous sommes déjà en ressource. Il faut maintenant contrôler cette ressource en amortissant le roulis vers la gauche. On parle de la compensation du roulis. Et pour ça, il faut redescendre la main droite progressivement, tout en restant en autre sellette et en regardant devant soi. La compensation du roulis est assez bien réalisée. Alors, on peut quand même voir que le pilote freine des deux mains dans la ressource, alors qu'il ne devrait compenser son roulis qu'avec la commande de droite et se tenir à ses élévateurs bras haut, main gauche. Ce freinage symétrique amplifie une ressource qui était déjà bien belle. Et sur cette image, le roulis semble tout de même assez bien compensé, il faudrait donc relever les mains bravo. Le pilote va maintenir son action un petit peu trop longtemps, du coup la voile repart en roulis vers la droite. On ne se rend pas bien compte sur cette image, mais en réalité la voile se situe sur la droite du pilote. Il va maintenant y avoir une très puissante abatée pendulaire mais il va également y avoir un mouvement de roulis de la droite vers la gauche. Notre pilote va commettre encore une petite erreur. On voit ici qu'il est à la frontière au sommet de la ressource et qu'il maintient encore un freinage symétrique. On peut voir que l'abatée commence et que notre pilote relâche ses freins. Pendant ce mouvement d'abatté. Et cela a tendance à amplifier l'abatté en rajoutant de l'abatté aérodynamique à un mouvement pendulaire qui était déjà très puissant. En plus, on peut voir que le relâcher est asymétrique. Le pilote libère d'abord la main gauche, puis la main droite. Et cela va rendre l'abatté encore plus asymétrique. Cela va amplifier le phénomène de roulis vers la gauche. Ces deux petites erreurs ne sont pas bien graves, il suffit maintenant de réaliser une bonne tempo bien forte pour éviter les problèmes. Pour cela, il est important de laisser la voile reprendre sa vitesse et d'attendre que la voile arrive à la verticale du pilote. On peut voir que c'est le boudel de gauche qui arrive en premier au-dessus du pilote et face à une telle abatée asymétrique, il aurait pu être intéressant de freiner d'abord avec la main gauche, de manière à amortir l'admiel de gauche et remettre la voile dans l'axe. Mais un bon gros freinage symétrique aurait également pu faire l'affaire. Et c'est là que notre pilote commet sa principale erreur. On le voit ici clairement faire une temporisation d'abatté en gardant les mains en avant, au-dessus des genoux. Et Évidemment, il n'applique pas suffisamment de freinage. Il devrait avoir les mains en arrière, derrière les hanches, bras tendus, de manière à freiner dans le prolongement des élévateurs et appliquer plus d'un mètre de frein pour amortir une telle abatée. Du coup, par manque de frein, la voile continue son mouvement d'abatté très puissante. Comme l'abatté est asymétrique, le pilote est déséquilibré sur la gauche. La voile ferme massivement et asymétriquement. Le pilote se retrouve la tête en bas et les jambes tendues vers le haut alors que la voile est complètement fermée. Les suspentes se détendent, le pilote tombe tête en bas. Quand il arrive sous la voile, les suspentes se retendent, puis la voile s'ouvre très rapidement, mais on peut voir que notre pilote a un demi-tour de twist. Heureusement, la voile est toute ouverte, le pilote parvient à se détwister sans problème et sans autre complication. Revoyons au ralenti cette sortie en chandelle trop compensée avec un freinage symétrique un relâché tardif et asymétrique qui amplifie l'abatté et la rend encore plus asymétrique. Une tempo insuffisante avec les mains en avant. La fermeture massive de la voile avec le pilote qui twiste. Et revoici la scène à vitesse réelle. Pour contrôler une forte abatté pendulaire, il est important d'appliquer beaucoup de frein en allant chercher ses mains en arrière pour freiner dans le prolongement des élévateurs.